Et ton micro parfait. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous propose. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un peu plus en détail tous mes animaux. On va commencer par Max. C'est parti. Alors pour commencer, je vous présente Max. Donc Max, c'est notre Golden Retriever qui va bientôt avoir 2 ans. C'est un peu comme notre premier bébé. C'est notre petit chien d'amour. Il est tout le temps avec nous, il nous colle tout le temps. C'est un vrai pot de colle. Donc vous allez beaucoup le voir, je pense, dans toutes les vidéos, voire dans tous les plans en fait de toutes les vidéos, puisqu'il est tout le temps dans mes pattes. Ça sera un peu, je pense, la mascotte de la chaîne. Ensuite, on a également 4 cochons d'Inde. Donc en premier, on a Spook. Donc Spook, c'est un petit cochon d'Inde noir et blanc, comme vous pouvez le voir. On ne sait pas exactement quel âge il a, puisqu'on l'a récupéré à la SPA il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et donc on l'a récupéré en même temps que Choupette. Donc c'est une petite cochonne tricolore. Choupette et Spook donc, étaient ensemble quand on les a récupérés. Et donc bah, quelques semaines après, on a eu Cookie et Milky, qui sont donc les filles de Choupette. C'est 4 petits cochons qui sont donc avec Choupi. Donc Choupi, c'est un petit lapin, je sais pas quelle race exactement c'est, un peu tête de lion avec ses petits poils longs là derrière les oreilles. Donc il est tout gris avec juste le bout du nez et les petits bouts des pattes tout blancs. Ça lui fait comme des petites chaussettes, moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Et donc Choupi, on l'a depuis le mois de février de cette année, donc ça fait un peu plus, presque 8 mois qu'on l'a. Et en fait je l'ai récupéré chez des particuliers qui l'avaient depuis quelques mois, il avait à peu près 1 an quand je l'ai récupéré. Et qui voilà malheureusement ne souhaitaient pas le garder parce qu'ils n'avaient pas assez de temps à lui consacrer, pas assez de place et voilà, ils préféraient le donner pour qu'il soit. Nous avons également 6 poules, donc c'est 6 poules, 6 petites poules rousses, des poules pondeuses, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'on a récupéré il y a quelques mois, pas très longtemps après Choupi, donc au début de cette année. Donc on les a récupérées, en fait elles sortaient d'un élevage en fait de poules pondeuses et donc bah, soit elles partaient à l'abattoir, soit elles étaient vendues voilà, pour des sommes modiques à des particuliers. Tant qu'à acheter des poules, autant faire une bonne action. J'ai aussi à vous présenter Mylord, donc c'est mon cheval, c'est un sel français de 18 ans, B. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé puisqu'il est arrivé le 9 avril à la maison. C'est un cheval qu'on a pris en pré-retraite en fait puisqu'il sort du centre sportif militaire de Fontainebleau. Donc c'est un cheval qui a tourné à très gros niveau aussi bien en complet qu'à l'obstacle. Donc c'est vraiment un super super cheval qui sait tout faire, qui est hyper bien dressé, qui est hyper gentil. Et pour une cavalière comme moi qui n'a pas un niveau vraiment, vraiment pas exceptionnel, c'est vraiment hyper agréable de monter un cheval comme ça. Et pour tenir compagnie à Mylord, on a donc pris Kaline. Donc c'est une petite ponette pie de 2 ans qui est arrivée 3 jours après à la maison. Alors Kaline, elle est vraiment très très mignonne, elle porte très bien son nom parce que c'est vraiment une ponette adorable qui adore les câlins, qui adore qu'on la brosse, qu'on s'occupe d'elle, c'est vraiment une petite princesse. Mais c'est une petite princesse avec son petit caractère, elle est vraiment très très coquine, très très têtue, enfin c'est un poney quoi. Et avec Kaline, en même temps, nous avons récupéré Zoé, puisque la personne chez qui on a été chercher Kaline, en fait, nous a dit « Ah bah si vous voulez, j'ai aussi cette petite brebis qui s'entend super bien avec elle et on voudrait la donner, donc si vous voulez, on vous la donne avec. » Et donc moi forcément, j'ai dit « Ah, trop bien, un mouton !» Alors, pourquoi on se retrouve avec un cheval, un poney et un mouton? Et enfin, les derniers arrivés qui sont arrivés il y a seulement quelques semaines, c'est nos 9 poissons rouges, donc voilà, qui habitent les 2 abreuvoirs des chevaux et du coup de la brebis, et qui sont là pour en fait entretenir le bassin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine Max, touche. 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 Oui.